drop the bass. En fait, là, il est bugué. Ah. Pas plus ou moins. Ok, non, il y a peut-être des bugués, c'est bon. Niveau 4, ça va. Ok, level up. Ah. Attention, debout. Oh, putain. Merci. On loot d'abord. H. Ça, c'est loot d'abord, en fait. C'est quoi ce bruit? C'est ton argent de ta vis. On attaque, Derrière toi. Ah, il y a du là. J'ai essayé de le bolas, du coup. Les bolas. Wow. Attends, je vais attaquer par un scorpion. Je vais attaquer par mille trucs. C'est bon. Mon choix. Que très prestigieux. Oh la vache. Y'a quoi encore? Encore un terror bird. Oh, okay, merci. Top, on s'est calme. Bon, ok. Je me suis encore chié dessus. Wouah, c'est chaud. On est où niveau torpeur là maintenant? Bah, il reste les deux petites étoiles du bas et niveau vie, j'ai 3 pixels quoi. Je vois trop le mec manger sa pop faire. Je suis con, je suis vraiment con. Vous êtes farmé pendant 3 heures, mais bon, c'est pas de ta faute, hein. Allez, putain, allez, avec un peu de chance, on va réveiller avant que t'aies... Putain, arrête. Je te vois. Il me faut à manger, des baies, un truc. Putain, oh, sérieux. Oh, putain. Je t'ai vu mourir. Je vais essayer de venir rechercher mon stuff en courant. Comment, moi, je suis en parachute depuis tantôt. Ah, je suis dans la mangrove. Ah bon? Ouh! Oh putain! Pire endroit pour repop de la terre à côté d'un sarco quoi. T'es où? Sarco! Ah mangrove! Ta race! Je me suis chié dessus dans la mangrove. Mais attends, à chaque fois que dès que je marchais, il y avait un crocodile. Bah, je pense que tu as tout ce que tu avais. Super, merci. Oh, y'a rien. Par ton armure, par contre, qui est sur ton cadavre, là. Tu es en train de rhabiller ton mec, là. Guillaume. Ah, merde. T'es en train de rhabiller ton cadavre. Mais il dit qu'il a froid, donc je ne sais pas. Ah, ouais. Oui. Putain, t'es trop con, t'as fait peur. Je me suis dit, mais il a vraiment taillé ma dinosaure pendant qu'on était. Putain, moi aussi, je me suis dit. Mais attends, comment il a fait? Comment il a fait? Caca. Ça serait cher alors, c'est ça? Pardon? Ça serait cher? Ça serait ultra cher. Comme Stéphane? Stéphane cher? Stéphane est cher. Parce que je me suis. Pour la peine. Tu vas sauter, tu vas appuyer une fois sur la barre espace. Tu veux? Ouais. Ok. Il l'a fait. Oh putain. Des petits défis. Welcome, I'm Noctis, this is Jackass. Surfing with Megalodon? Dawn. What? Voilà. Vous touchez pas? C'est juste, vous regardez le temps que ça périme, mais si j'ai pas le temps de revenir, vous le prenez seulement. Comme ça, on a pas besoin de faire le tri maintenant. Et j'espère que ça passe pas à travers le sol, ce connard. Okay. Non, t'as 2 minutes. T'es léger, hein, sinon. Il y en a un deuxième, ah, ouais. Ah non. Oh putain, j'ai pris un coup de lave. J'ai pris mid-life, donc on est pas en one shot en fait. Donc, avant que je vois un scorpion aérien. Ah oui, en effet, le voilà. Il a traversé la lave celui-là. Je confirme. Il traverse la lave. Oh,
confirme, la balle a traversé le scorpion. Bon, bon c'est, je vois. Une araignée. 5 araignées. Ok, non, pas 5 araignées. 5 onyx. Une araignée qui s'est suicidée, c'est parfait. Ouais. Je vais analyser les niveaux quand même. Guillaume, n'hésite pas à réparer ton armure hein, si jamais niveau tu as 2, un scorpion niveau 4. Kev. Ah bah. Et là, Kev, c'est juste. Chier dessus. Les gars, vas-y, au corps à corps, t'es fou, toi. Elle t'aveugle. Non, ça va, on l'a eu. Bah, je l'ai eu. Toi, tu l'as regardé, genre. Tu ne passeras pas. Tu t'en battais les couilles, toi. Moi, j'étais en mode en train de trembler avec mon arbalète, genre. Allez, Allez, je vais fermer la porte. Ça va? Nice. Voilà. C'est bon. Voilà. Ouais, j'ai pas où les passer. Oh, si. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est passé en tout bizarre. T'es où, Anto? Franchement, s'il me fait le coup du scorpion derby, je pète un plomb. Ah, ok, ouf. Oula, bien vu. Ah oui, les poissons. Bon, puis merde, tu vas l'épée. Oh non! Non. Comme par hasard. Ah! C'est rapide, ouais, en plus, cette merde, d'accord? Ouais! Le problème, c'est que c'est rapide et en plus c'est stressant quand tu te vois arriver avec ses pinces et toutes ses pattes et sa queue et il fait du derby encore, putain de merde! T'as le sarco qui est juste en face. J'ai une selle hein, pour le sarco. Ah, c'est con! Je craft une selle. C'est. Arrête de faire du derby! Bien joué! Putain, il me stresse! Niveau 2, c'est bon? Tu me dis quand tu tires. Oula, il fait flipper. Hein. Vas-y. Ouais, il fait peur encore. Cool! Moi j'essaie de l'endormir. Ok, un peu plus haut. Mais genre. Quand même, au moins bah 50 mètres oui, plus haut. J'arrête de tirer dessus, il essaie de l'endormir, ouais, mec. Poule. Non, mais ça sert à rien, de toute façon, si je l'endors... Touché, nice. Putain, Cyril, oh là parce là que je vais pas le dompter, hein, je peux pas. Oh là là, Cyril, c'était n'importe quoi ce qu'on a fait. Les vraies équipes de sniper. Yeah. Tu chopes l'araignée à côté? À niveau 2, ouais. Tu décales juste la même chose, mais tu décales juste un faire tout le tour, petit peu à droite. Je la vois pas. Si tu tombes là, c'est mort. C'était... Tire tout le tour à droite, même hauteur. Ah, je sais pas, hein. Non, ils ont pas les mêmes dégâts de chute que nous. Un peu plus haut. Ah bon. Un peu plus haut, quoi. C'est de la merde, hein, mais on en a des bras. Non. Il y a quoi sur lui? Des baies, et que du tissu, si vous regardez. Il y a un arc et 21 flèches. Elle a mis de ça les flèches. 3. Je vais les prendre et on va répartir ça en deux. 4. Attends, peut-être qu'il peut récupérer avec nous la viande et le... Je sais pas. Tantia... C'est bon, elles sont cramées. Enfin, j'espère qu'elles vont pas ressortir des flammes juste devant nous. J'imagine. Ça va, Cyril? Ouais. T'es où, là? Tu te fais attaquer par quoi? Devant toi. Dilophorus. C'est pas moi qui me fais attaquer. C'est moi qui... Oh, l'eau. Oh, non. C'est un T-Rex? Ah! Où ça? Mon Dieu. Ah non, c'est un Diplodocus. Ah, je peux faire une selle de Diplodocus aussi. Gros, hein. Ok. Wow. Comment ça me fait chier, C'est agressif, le Diplodocus? Ouais. Ah! Ah, non! Non! Tu l'attaques, tu te défends. C'est bon, c'est bon. J'ai vu qu'il te double. Oh, putain! Oh. Il y a du monde, là-bas. Oh, putain. Genre... Oh! Oh, mon what Dieu! The fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non. 8 brontos. Waouh. Et des paracératérium et plein d'herbivores. Ils sont tous là en fait, des animaux. Putain, mec, si j'ai un lance-roquette. Barbecue. What the fuck? Fuck yeah. Putain, mec, t'as pas intérêt à marcher sur la queue d'un type, hein. Sinon. Il est encore là-bas, hein. Trilobite. Non, ça va, je lui laisse la vie sauve. C'est toi qui as tué mon père! Je me vengerai! Tu aurais dû profiter de cette occasion pour me tuer il y a 10 ans, rappelle-toi, j'étais sur la plage. Tu avais ton fusil. Et l'armure faite de ma mère! Oh putain! Tu sais, comme dans tous les films où le méchant, tu sais pas pourquoi, il décide de pas tuer le héros du film à ce moment-là, et il le regrettera toujours. C'est quand même Trilobitman, c'est chaud quoi. Trilobitman. J'avoue. Et tu ne te brosses pas les dents avec sans sodine? En plus si. Mets-toi en hauteur, hein, Mara. Tu vas faire une Mara. Y'a quoi?
Et ça a bon goût ce truc là. Castor ? Sans Odin. Fais le tour, Marat. Qu'est-ce qui a bon goût, le castor ou sans Odin ? Ouais, je vais le shoot. Alors il dit oui, celui-là je le sens bien en parlant de moi, tu vois. Un bon fertilisant. Quelle horreur. Il a bu du Roundup. Oh, c'est la là. La graine est bonne en peluche. C'est ça. C'est du vin tendage celui-là. Attention. Kevlar, putain, désolé. Et Kevlar, quand il parle de fertilisant, il s'imagine une grosse merde de dino, tu vois. What the fuck. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Waouh. T'as vu ça? Mec, une famille de Terror Birds va se faire défoncer par une famille d'Argentavis, quoi. Et c'est quoi, c'est... Il y a un Carno au milieu. Le Carno va pas résister, hein. Sur le bazooka. Le Carno est mort, hein. Non, mais pas encore. Ils arrivent, les oiseaux. Oh putain, t'es passé devant moi, espèce de con, ça fait peur.